mon oncle et ma tante avaient un restaurant. Mon père était cuisinier là-bas. J'ai un petit peu baigné dans le domaine de la cuisine depuis petit. Et sans trop vouloir en faire vraiment mon métier. Donc après j'ai eu un parcours scolaire très classique. Et arrivé en seconde, ça me convenait pas. Pour moi, il fallait que je fasse quelque chose avec mes mains. Ici, on a la chance d'être un peu dans le berceau de la gastronomie avec tous ces restaurants étoilés et notamment la Pyramide. C'est un des premiers restaurants avec Fernand Point à avoir eu 3 étoiles au guide Michelin. C'est quand même un honneur un petit peu d'être dans les pas des plus grands en fait. Il a quand même formé Paul Bocuse, les frères Troisgros, Familia Berlin. Enfin, il y a eu beaucoup de monde qui sont passés par ici. Puis Monsieur Henri Roux, il est quand même très protecteur, il est passionné, il y a de la rigueur. Les plats ont toujours la patte du chef, mais peut-être un peu plus de modernité, un peu plus de nouveauté, tout en restant très gourmand. C'est ce qu'il aime ici, c'est un peu la gourmandise en fait, comme à l'époque. Le beurre, on aime ça. Quand on pense un plat, on choisit un produit, par exemple on choisit un pigeon, on regarde un petit peu les légumes qui la saison nous propose en fait. On sélectionne, après on imagine les goûts qui peuvent bien s'associer ensemble. Dans la cuisine, tout le monde a déjà un peu tout fait. Il faut sans cesse se renouveler, donc on associe des goûts peut-être des fois un peu plus surprenants. Enfin, moi je suis un peu classique. Je fais des associations qui pour moi vont bien, sans trop aller dans l'extrême. Des associations sûres en fait. On est trois à pouvoir faire la carte, donc on discute, il y a aussi le directeur de salle des fois qui vient et nous dit ouais, moi je verrais peut-être ça un peu plus comme ça, même en pâtisserie ça arrive, on fait goûter, on discute tous ensemble. Chacun amène un petit peu son idée et puis après on essaye de peaufiner peut-être un peu plus les assiettes comme ça quoi.